plein antelope summit, 7438 pieds, à peu près 2260 je pense, parce que mon GPS est un voleur. Bah. Ouh. De putain de côte, hein. Et on finit pas. J'en ai plein, plein, plein le cul. On dirait pas que ça monte, mais là c'est 7-8% et ça fait 10 bornes que c'est comme ça. Voilà, si on entend ça, il faut se barrer. Mais d'ailleurs, on va se barrer. Bon. La récompense après la montée. De kilomètres de descente, bon, ça descend pas très vite, hein. Mais au moins on a pas besoin de pédaler. On arrive au lac d'Ilipa dans 5 km en croisant les doigts pour qu'il y ait de l'eau. Même si Stéphane a fait une belle découverte dans la montée et a trouvé un pack de flotte, des petites bouteilles. Bon, apparemment elles sont buvables, donc impeccable. Arrivé au lac d'Ilipa, il y a un mec qui vient nous dire qu'il y avait presque plus d'eau. Bon, par contre il y a des gens qui campent, on va essayer de retaper de l'eau, sinon c'est pas mal, hein. C'est calme. Espérons qu'il n'y a pas des Indiens qui vont nous attaquer cette nuit. Fatigué. Voilà. Lac, pas Nevada. La seule solution qu'on avait pour éviter de se taper 130 km aujourd'hui, c'est de couper le poids en deux, s'arrêter ici en espérant qu'il y ait de l'eau. Il y a de l'eau, on en a dans les sacoches, on en a trouvé. C'est pas mal. On va s'installer là. Demandez certainement ce que l'homme blanc est en train de faire. L'homme blanc est en train de ramasser du petit bois pour essayer de faire un petit feu ce soir. Pour manger des lézards. Pour manger des lézards. Et le serpent qu'on a trouvé. Et le serpent, ouais. Et sans lui, il est en train d'installer la bûche. Je suis en train de tester aussi le mérinos. Parce que finalement ça fait quand même 2 semaines que je ne l'ai pas lavé, il n'y a toujours pas d'odeur. Donc maintenant le mérinos, je le teste en configuration jour. Je vais bien transpirer pour bien voir ce que ça donne. Alors, on fait gaffe où on met les pieds parce que c'est le paradis des serpents sonnettes. Et comme on est en tongs, en bon crétin moyen, bah bon après la douche, voilà, là il n'y a pas de serpent. Il est là le Stéphane, oui. Il y a 1m50 où il n'y a pas de vent. Il y a quoi là? Du beau jour micro. How you doing? How you guys?